Allez, on s'en va pour Riga pour le 38e investissement. On va rejoindre un client qui a fait le déplacement de France pour l'occasion. Je vais te partager au-dessus de mon épaule vraiment toutes les étapes, notamment l'étape numéro 3 du séjour de signature. Je suis Romain Armato, le PDG de Life Invest. J'aide les personnes à haute capacité financière à investir dans l'immobilier à l'étranger pour des raisons de diversification, de rendement, de résilience. Je t'invite à aller voir www.lifeinvest.eu si tu veux en savoir davantage. Je t'emmène avec moi, c'est parti. C'est vraiment plaisant que de travailler avec des personnes de haut vol qui partagent les mêmes visions et pour qui l'investissement à l'étranger est une pièce maîtresse pour assurer un patrimoine sécurisé et transmettre un héritage qui s'apprécie au fur et à mesure du temps sans dépendre nécessairement d'un pays en particulier, permettant d'avoir des options, des cartes à jouer. Les opportunités n'attendent pas, comme je dis souvent. À la fin de cette vidéo, eh bien, je vais te partager avec toi une opportunité. Donc, je pense que tu vas être intéressé. Allez, j'en dis pas plus. On file vers l'aéroport. J'espère que tu apprécies ce contenu et ce format vlog spontané. Parlons du profil du client. Alors, c'est une personne qui vit en région parisienne, qui a sa résidence principale et qui a un investissement locatif pareil aux alentours, qui est actionnaire minoritaire dans une société qui est détenue à 25% par un géant de l'énergie, et il a des envies de diversifier, d'apporter davantage de résilience à son patrimoine et de trouver du clé en main, puisque très occupé par son travail, il cherche quelqu'un, un relais de confiance sur lequel s'appuyer, de sorte à déléguer l'intégralité de l'opération. Il n'avait pas envie d'investir en France pour différentes raisons, étant dans une industrie à fort potentiel de réglementation. Lui utilise l'immobilier à l'étranger pour avoir des revenus qui soient décorrélés de son activité principale et in fine d'aller vivre au soleil avec ses enfants. On est dans le quartier des ambassades. En face de moi, c'est l'ambassade ukrainienne. Et à ma gauche, c'est l'ambassade russe. Donc là, ils ont leur fenêtre ici. Et derrière, c'est l'ambassade russe, juste là. Qu'est-ce que tu en penses, toi, d'ailleurs, dans les commentaires? Aucune agressivité, aucun stress, aucun comportement débordant. Que c'est beau, Riga, que c'est beau. Je trouve qu'il y a une manne d'opportunités ici, facile à concrétiser. On peut s'entourer de bonnes personnes à des prix compétitifs. Ça facilite l'investissement ici. Là où la fiscalité est 10% sur les revenus fonciers, c'est la recette magique pour investir à l'étranger. On va se rappeler la formule qu'on a développée en interne. Indice d'attractivité internationale, IAI, égale réserve d'opportunité, RO, fois FCO, facilité à concrétiser cette opportunité. Et à partir de ce moment-là, si tu as cette formule-là, que ce soit dans un projet d'expatriation ou d'investissement, tu peux passer à l'action en ayant une recette qui fonctionne. IAI égale RO fois FCO. Allez, après le brunch et une session de stratégique au téléphone. Salut Hugo, si tu regardes cette vidéo, qui m'a beaucoup inspiré, particulièrement sur le sujet bancaire. Et ça fait sens direct avec ce voyage de signature dans lequel on va passer un peu de temps en rendez-vous bancaire cette semaine. On va pas parler de Wise ou de Revolut. Non, non, on va parler de banque traditionnelle dans le but de développer une relation. Et il faut savoir que la plupart de nos clients commencent avec un bien, se projette dans une acquisition future, on achète deux une fois que ça marche, trois et ainsi de suite. Quoi de mieux que de développer la relation bancaire pour développer ses attaches avec le pays et ainsi pouvoir lever de la dette. Donc faire un levier plus important avec l'utilisation du levier bancaire et en ouvrant des comptes bancaires personnels pour le compte de non-résidents qui investissent ici dans l'immobilier via Life Invest, ils vont pouvoir encaisser leurs revenus fonciers sur ces comptes bancaires, développer de l'historique et plus ses affinités. Donc c'est un voyage particulier dans lequel on monte en compétences.
On a fait une réservation à distance. Et qu'est-ce que tu entends du coup par rapport à ce que tu as vu en ligne avant de réserver? Ouais, c'est exactement la même chose. C'est ça qui est bien, c'est qu'en fait, on n'a pas de mauvaise surprise. Et comme on l'avait dit, les finitions sont parfaites. Et là, au descriptif que tu m'avais fait, on peut te demander une note de 1 à 10. Ouais, moi, je mets 10 parce que j'ai vraiment aucune mauvaise surprise. Ok. Et les finitions sont nickel. Là, du coup, on est derrière avec le locataire en place. Et tu te souviens, ils ont vraiment sous-évalué le. Ouais, le promoteur, afin de remplir l'intégralité de l'immeuble, il y a 150 lots dans l'immeuble. Donc, il les a loués à un prix inférieur. Et là, on rencontre le locataire qui a l'air d'être très bien. Ouais. Et on lui dit la situation telle qu'elle est en fait. Là actuellement, il loue pour 180 euros par mois, chose qui est une anomalie, ça ne se trouve pas à Riga, sur des logements sur standing. Donc on lui dit, nous dans nos modèles, on est content de le louer à 230 sur un contrat d'un an renouvelable. Même s'il y a une valeur, je pense, marchande, d'un peu plus que ça, parce que la semaine passée, il y a un de nos appartements ici qui est passé de 190 à 290. Donc, soit une évolution de 50%. Donc, c'est un peu anodin. Si il accepte qu'on re-signe et qu'on reconduise direct pour que ce soit, on va dire, tout de suite, exact. Ou bien, on prend le temps de trouver quelqu'un d'autre qui est un prix éventuellement plus élevé. C'est vrai que pour ma part, ils ont donné un autre côté de la porte. Au moins 230. Ça fait plaisir d'avoir un pays d'Europe qui est en croissance. Ça donne envie de revenir et de faire d'autres choses. Challenge, ça c'est un réel problème de mettre les bons objets dans les virements pour que le registre letton identifie le transfert de propriété qui est réellement transfert de propriété. Qu'est-ce que tu as fait du coup après la signature? Ouais, j'ai bossé un petit peu et d'accord. Puis je suis monté au Skyline de l'hôtel. Alors? Ouais, franchement magnifique. C'est vrai? C'était dans la soirée. On voyait tous les bâtiments illuminés. C'est beau, hein, c'est joli. Et là, on va voir les banques. On va voir les banques. C'est parti, accompagné de l'avocat. Le but étant de faire tomber tes loyers sur un compte bancaire en Lettonie, ouais. De sorte à développer ton parc. Roland, what have we done just now? We've been to our bank, filed all the information and documents to open up an account. And that was very helpful because you said in the back end you collected all the documents. Yeah. And you sent us just the forms and the additional info that you needed. Yeah, yeah. So basically we just needed to show up, identify that we are real persons. Yeah. But everything else could be done remotely. Allez, c'est comme ça que se termine ce nouveau vlog d'investissement. On se retrouve très prochainement, le mois prochain, pour un nouvel accompagnement et plus de programmés encore, puisque celui-ci a été très fructueux. On monte en gamme, puisqu'on a intégré le compte bancaire. Et pour évaluer si cette stratégie est en phase avec tes attentes, eh bien, je t'invite à répondre au Life in Death Survey, qui est en description de cette vidéo et qui est épinglé dans le premier commentaire sous cette vidéo. Et également, si tu veux suivre nos opportunités en temps réel, je t'invite à découvrir la lettre privée Life in Death, un email hebdomadaire au sujet des stratégies qu'on emploie en temps réel, de mes réalisations, des études de cas clients à succès, ainsi que des opportunités exclusives envoyées directement dans ta boîte mail. Tout cela est dans la description de cette vidéo. Merci pour ton attention. J'espère que ça t'a inspiré. Le monde est à toi. Tout est possible. À très vite pour de prochains contenus d'investissement.